OK, je suis. Je vais d'abord me présenter. Je suis Aristide Ongonobam, le représentant de la FAO en RDC. Alors, j'ai rendu visite ce matin à Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement, du développement durable. C'est une visite d'abord de courtoisie parce que, à cause de la fin de l'année et des différents déplacements, nos agendas ne s'étaient pas accordés. Donc, il fallait que je la rencontre d'abord parce que c'est un ministère privilégié pour la FAO dans le domaine des forêts, de l'environnement, du changement climatique. Alors, nous sommes venus présenter à la vice-première ministre le travail que la FAO fait en RDC dans le domaine des forêts, des ressources naturelles et de l'environnement. Et ce programme lui a été présenté avec tous les projets que nous mettons en œuvre. Nous lui avons présenté également les perspectives, les possibilités, les domaines dans lesquels on est prêt à accompagner le gouvernement à travers ce ministère. C'est un peu ce tour d'horizon que nous sommes venus faire et pour entamer, bien entendu, un partenariat agissant par rapport à ce que nous faisons déjà et ce que nous prévoyons faire dans les prochains jours, les prochains mois, dans ces domaines de compétences. OK. Sa réaction, c'est qu'elle a très, très, très bien réagi. Elle a confirmé son intérêt à travailler dans les domaines que j'ai évoqués, la manière dont j'ai évoqué. Nous avons beaucoup échangé sur la préservation de la forêt, sur le changement climatique. Nous avons également échangé sur le financement climatique, qui n'est pas toujours évident. C'est le domaine dans lequel nous devons effectivement accompagner ce pays. Elle a beaucoup apprécié notre visite et on a pris rendez-vous pour qu'elle puisse participer aux grands événements, prochains trois grands événements qui vont se passer en 2022. Le premier événement, c'est la forêt et la faune sauvage de l'Afrique que Kinshasa pourrait peut-être accueillir ici. Le deuxième grand événement, c'est la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique qui va se tenir en virtuel et en semi-virtuel à Malabo, en Guinée équatoriale. C'est une grande conférence à laquelle la RDC participe toujours et nous avons transmis l'invitation pour que cette fois-ci la RDC participe encore. Le troisième grand événement, c'est ce que la FAO fait au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez aussi que c'est la RDC qui préside actuellement la CEAC. Donc, à ce titre, il va s'agir de voir la RDC prendre la parole au cours de cet événement au niveau de l'Afrique centrale qui va se tenir à la fin de ce mois de janvier. Donc, voilà un peu les informations que nous avons partagées avec Madame la vice-première ministre et elle a réagi positivement. D'accord, merci beaucoup. Merci.